Autorité à la manœuvre, et voici les premières eaux du forage du village Ebolmedom, situé dans la commune de Kolafamba. Un ouvrage gracieusement offert à la population par la congrégation baptiste camerounaise Rema Ministry Mission de la Mofu et Afamba. Le problème d'accès à l'eau potable n'est plus que triste souvenir. Il y en a à profusion. Les riverains s'approvisionnent déjà. L'infrastructure implantée sur un site mis à disposition par ce chef de famille étanche la soif de la communauté. Le maire dit toute sa gratitude à l'endroit de ses bienfaiteurs. Le maire que je suis est un maire heureux. Et c'est cela que nous appelons le partenariat. Parce qu'il n'y a pas d'un côté la commune et de l'autre côté les populations. Nous travaillons tous pour l'exercice de la collectivité. Jean-François Ondigui Owona recommande à la population d'en faire bon usage. Un comité de gestion sera mis en place pour veiller au grain, pour honorer la congrégation baptiste camerounaise Rema Ministry Mission, déterminée à accompagner le processus de développement du gouvernement dans le domaine de l'investissement social. Cette communauté chrétienne n'est pas à sa première action ici. Elle a contribué au bitumage d'une route d'environ 2 km. Ses serviteurs du Christ ont en outre construit un temple de prière ici pour prêcher la bonne nouvelle aux fils et filles du coin. La responsabilité de l'Église, ce n'est pas seulement de prêcher l'Évangile. Jésus-Christ prêchait, mais après, il donne aussi du pain et du poisson. Donc ce goudron et ce forage, c'est du pain et du poisson pour les populations de notre cher village. Le révérend Ferdinand Ekanet, comme le Messie, est venu changer l'histoire de cette population. Le sous-préfet de Kolafamba apprécie l'initiative à sa juste valeur. Donc, cette communauté vraiment s'implique dans le développement de notre localité. Et nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives. Le développement participatif, nous l'avons prêché tout au long de notre tournée de prise de contact. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que ce soit matérialisé par des actes palpables sur le terrain, notamment le forage et la route. Les élites et autres mécènes appelés à suivre cet exemple pour améliorer davantage les conditions de vie au village et Bolmedom.